Eh bien, salut tout le monde, c'est Augustus pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu particulière. Bon, on reste sur le thème de FIFA. Les deux vidéos précédentes, même les trois, étaient parties un petit peu en couille. Mais je vais quand même continuer un petit peu les vidéos FIFA. Et c'est une vidéo qui peut être intéressante pour vous. Je l'espère. C'est tout juste vous parler des joueurs qui sont morts sur FIFA. Enfin, pas vraiment morts dans le jeu, mais. Les joueurs avec qui on peut jouer sur les différents FIFA qui sont morts dans la vraie vie. Il y a des joueurs qui étaient genre dans le mode carrière et tout, mais qui n'avaient pas leur carte en ultimate qui sont morts, du coup je peux pas les mettre. Et des joueurs, je m'en souviens plus. Du coup, voilà. Après un petit travail de recherche, j'ai réussi à faire ça. Il y en a 7 en tout. On va commencer par le premier. C'est Meiwa. Gardien sud-africain qui était mort sur FIFA 15, il me semble. Sur FIFA 15, ouais, il était encore l'année dernière. Là, c'est sa carte FIFA 14. Ce gardien, lui, il a vraiment pris cher parce que les gens, ils sont carrément rentrés chez lui. Ils l'ont assassiné, ils l'ont mitraillé, tout ça. Le pauvre, il a vraiment pris cher. Il est mort à 27 ans quand même. Le pauvre. Il a joué à Orlando Pirates toute sa carrière. Voilà, il est quand même mort assez jeune. 27 ans, c'est très jeune. Voilà. Là, c'est sa carte FIFA 14. Mais je sais pas, sur Futed, il n'y a pas l'image. Enfin, je sais pas. Il n'y a pas l'image. C'est ça, c'est sa dernière carte qu'il a eue. Voilà, il avait une carte bronze, après argent pas rare et argent rare. Ça doit être quand même un assez bon gardien, hein, mais voilà, il est mort malheureusement. Après, on va passer à la première légende, Bobby Moore, qui est mort, mais FIFA l'a quand même mis dans le jeu à partir de FIFA 15. Je sais pas leur délire de mettre des légendes mortes, hein. Je sais pas du tout pourquoi ils font ça, mais voilà, ils ont mis quand même Bobby Moore, légende du football anglais, Bobby Moore, qui a joué à West Ham la plupart de sa carrière et à Fulham avant de terminer en MLS et au Danemark. Je la connaissais pas avant FIFA, cette légende. Mais bon, c'est comme ça, il est mort à 51 ans. C'est quand même pas très vieux, 51 ans. Même si sa carrière était quand même finie depuis un bon bout de temps. Mais bon, c'est quand même jeune de 51 ans. Allez, on va continuer avec la deuxième légende. Hein. On va direct continuer avec la deuxième légende. Tac. George Best, c'est pareil, ils l'ont mis cette année. Je sais pas leur délire de mettre des légendes décédées. Après, bon, il a des stats quand même assez folles. Il peut être un joueur intéressant, je l'ai pas testé. Voilà, c'est un peu con de mettre des légendes décédées. Peut-être, je sais pas, leur famille a besoin d'argent, du coup, je sais pas. Ils acceptent peut-être facilement. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, ouais, c'est déjà mieux que rien de mettre des légendes, mais bon. On va passer au buteur. C'est le seul buteur. Merde. Bétinez. Il s'appelle comme l'ancien entraîneur du Real, Benitez. Regardez ses stats. Il a des stats cheatées, le mec. 92 de vitesse, 84 de tir, 77 de tête. Voilà, hein, toutes ses cartes sont cheatées. Même là, on voit pas la tête, mais 94 de vitesse et tout. Le mec était quand même assez cheaté. Et malheureusement, il est mort. Lui, c'est du 9. C'est insuffisance cardiaque, je crois. Voilà. Il avait terminé sa carrière au Qatar à l'âge de 27 ans aussi, il me semble. Voilà, c'est triste. Mais bon, c'est la vie. On va continuer. Là, on est déjà à plus de la moitié. Et là, une des morts. Les plus tristes du foot de ces dernières années, quand même, c'est Junior Malanda, qui était un
des plus grands espoirs au monde, enfin du football belge et puis au monde aussi, hein, parce que le mec il est arrivé à être titulaire à Wolfsburg, qui est un des meilleurs clubs d'Europe actuellement, hein. Ils ont quand même battu le Real 2-0 et tout. Et le mec il était jeune, il me semble il avait 21 ans ou 22 ans. Et le mec il était quand même titulaire, il aurait été titulaire en Belgique, hein, je pense à l'Euro, hein, s'il avait continué. Il est mort sur FIFA 15, il me semble, ouais, c'était l'année dernière. Et lui et le gardien, bah, eux quand ils sont morts, bah, leur prix il avait explosé. Sur Ultimate Team, il n'y avait pas encore la fourchette de prix. Voilà, c'est triste, il est mort d'un accident de voiture. Voilà. Là, on va parler d'un ancien joueur de Ligue 1. Mezag, je sais pas si certains s'en souviennent. Ben, lui, il est mort. Rien à voir avec l'autre Mezag, c'est pas le même. Je sais pas si c'est son frère. Je crois que c'est son frère, mais je suis pas sûr. Lui, c'est pas le même. Je parle bien de lui. Mezag, qui était défenseur à. Ben, il me semble que c'est quand Montpellier a gagné le titre, hein, il me semble. Il y jouait. Moi, je me souviens de ce joueur parce que ben, quand je prenais des petits clubs en mode carrière, ben, je l'achetais des fois parce qu'il était pas cher, Mezag. Et voilà, ça fait chier de, genre, d'apprendre ça. C'était pas. Enfin, moi, je l'ai appris en faisant cette vidéo. Je savais même pas qu'il était mort, ce joueur. C'est ça qui est vraiment dommage. Et là, on va passer au dernier joueur de la vidéo. Tac. Encore un Belge. Non, c'est pas lui. C'est lui. Il me semble qu'il s'appelle Grégory Mertens. C'était un défenseur belge. Lui, il est mort sur le terrain. Il est mort en plein match. Voilà, c'était un bon défenseur belge aussi. Il me semble qu'il était très jeune. Je vais vérifier ça. Mais lui, il est carrément mort sur le terrain. Après, ouais, il y a plein de joueurs qui étaient morts sur le terrain, mais ils passent sur Ultimate Team. C'est ça. C'est un peu dommage. J'ai pas pu les placer dans la vidéo, quoi. Par exemple, le frère au Touré qui était mort sur le terrain. Ouais, Grégory Mertens, il est mort à 24 ans. C'est vraiment une mort très très jeune. Comme Junior Malanda, quoi, deux Belges morts jeunes. Du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Même si c'est pas une vidéo joyeuse, mais bon, c'est une vidéo qui peut vous permettre d'apprendre des choses. Après, ouais, il y a des joueurs genre Morosini. Voilà. Lui, c'est pas le même. Mais il y en a un qui s'appelait exactement comme ça, qui est mort en plein match aussi. Voilà, j'aurais pu faire avec des joueurs qui n'étaient pas sur Ultimate Team. Mais en tout cas, si l'épisode vous aura plu, je ferai un épisode spécial consacré aux joueurs morts, mais qui n'étaient pas sur Ultimate Team. Pour parler un petit peu d'eux et tout ça. C'est un petit peu un hommage pour leur carrière. Même si là, j'ai pas trop parlé d'eux, mais bon, voilà, c'est... Ça fait quand même bizarre d'avoir des joueurs, de jouer avec et d'apprendre qu'ils sont morts, tout ça. Ça fait bizarre. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Augustus. Ciao tout le monde.